Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Malo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma recette de quiche. Pour cela, il vous faudra une pâte feuilletée. Moi, je l'ai prise dans le commerce. 4 œufs, un oignon, 20 cl de crème fraîche liquide, de la muscade, du sel, du poivre, du fromage râpé. Et moi, j'utilise des dés de jambon. Je trouve ça moins gras. Pour commencer, je vais foncer mon moule avec ma pâte feuilletée. Voilà. Maintenant, à l'aide d'une fourchette, je vais percer des petits trous pour éviter que ma pâte gonfle. Voilà, j'ai épluché mon oignon. Maintenant, je vais l'émincer. Juste une petite précision, j'ai choisi un oignon rouge. Mais vous pouvez très bien utiliser un oignon blanc, voire pas du tout d'oignon. Moi, j'en mets parce que ça rajoute un peu plus de peps à la quiche. Voilà. Voilà, et maintenant dans une poêle avec de l'huile d'olive, je vais faire revenir mes oignons et mes dés de jambon. Voilà, j'ai mis mon huile à chauffer. Elle est bien chaude, je vais rajouter mes oignons. Et je vais les laisser suer tranquillement. J'essaie de bien les défaire dans la poêle. Comme ça, il y aura de l'oignon un peu partout dans ma quiche. Je baisse mon feu. Et maintenant, je vais rajouter les dés de jambon. Je remonte un petit peu le feu pour que mes dés de jambon colorent comme il faut. Et pendant ce temps, je vais m'occuper de l'appareil. Pour l'appareil, je vais casser mes 4 œufs. Je vais les fouetter un petit coup pour bien mélanger les jaunes et les blancs. Tout en surveillant ma poêle. On veut que ça prenne de la couleur, mais on ne veut pas que ça crame. Je vais rajouter
ma crème. Une bonne pincée de sel, pas trop parce que le jambon est salé, un peu de poivre, et un tout petit peu de noix de muscade. J'incorpore bien les épices à mon appareil. Et je réserve. Une fois que mes jambons et mes oignons sont bien caramélisés, je vais les verser dans ma quiche. Et je vais bien les répartir. Avec l'aide de ma spatule, je répartis un petit peu partout dans ma quiche. Voilà. Je refouette un petit coup mon appareil. Et je verse mon appareil un petit peu partout pour bien que ça se répartisse. Je rajoute mon emmental râpé. J'en ai beaucoup parce que mon père adore ça. Bien sûr, j'ai pris soin de préchauffer mon four à 180 degrés avant de commencer ma préparation de quiche. Et maintenant, je vais enfourner ma quiche à 180 degrés pendant 35 à 40 minutes en vérifiant. Maintenant, c'est parti en cuisson. On se revoit tout à l'heure pour le résultat. Et voilà, après 45 minutes de cuisson, ma quiche est prête. Bon appétit, à bientôt sur la cuisine de Malo.